c'est la nuit des champions. Le premier qu'on appelle sous la balance est l'anglais Andrew Tate. ...85 kilos pour Andrew Tate. Son adversaire, Vincent Petitjean. ...83 kilos pour Vincent Petitjean. How do you feel before your fight against Vincent Petitjean? Ready, I'm ready, I'm gonna beat him. I always win. I'm gonna knock him out. Après, inquiété au premier round. J'avoue qu'au premier round, j'ai senti qu'il tapait fort des points. Mais j'ai su être intelligent, réfléchir et trouver les solutions parce qu'il a une boxe aussi assez longiligne. Je pouvais pas faire la boxe que je fais trop d'habitude pour voir tout le temps rentrer parce qu'il servait très très bien de ses jambes avec les side kicks de côté et envoyer les gauche-droite bien. Bien grande, assez une boxe, ouais j'ai quand même eu du mal. Après d'après ce que me disent les gens extérieurs, j'ai trouvé les bonnes solutions, j'ai gagné tous mes rounds pratiquement, enfin pour moi je gagne pas le premier mais ça je verrai quand je verrai le combat, la vidéo. Après oui quand même satisfait parce que pour ma première nuit des champions, je suis quand même assez content face à un combattant qui est champion du monde actuel Yeska. Donc oui, satisfait et envie de continuer et revenir l'année prochaine pour montrer encore de plus belles choses. Ouais. Techniquement, on a vu que la solution venait pas mal des crochets et surtout des uppercuts, qui étaient beaucoup demandés par votre coin. Oui, alors les crochets, c'est mon point fort en général. Donc je me suis servi de ça en cassant la distance et en essayant de le toucher avec mes crochets. Hein, je suis un petit gabarit, je suis petite taille, des petits bras, des petites jambes. Donc un peu à la Tyson. Je m'entraîne voilà, à travailler court et en essayant d'être rapide et puissant.